Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux aujourd'hui, pipi time, parce que oui, alors, je vais vous mettre un petit screenshot avec ce qu'a écrit Galius, hein, pourquoi ça s'appelle pipi time. C'est quand je fais des petits vlogs, des petites annonces, et maintenant je me dis que faire une annonce avec des petits vlogs, ça peut être plus sympa que faire une annonce assis, comme ça, j'en passe. En même temps, je peux changer un peu la façon dont je filme, voilà, là je préfère le mur noir quand même, c'est plus sympa. Aujourd'hui, on va mettre en PLS ma poste, c'est un défi que je vais vous proposer, qu'on va faire ensemble, histoire de... Bah, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, il faut savoir que Noël approche. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer mon adresse, comme j'avais fait l'année passée pour mon anniversaire, si vous voulez m'envoyer quelque chose, que ce soit des cadeaux, que ce soit des dessins, que ce soit un petit truc écrit en disant, voilà, j'aime ce que tu fais, n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je vous propose. Maintenant, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, t'as pas besoin de cadeaux, moi, j'ai pas besoin non plus de cadeaux, c'est vrai. Mais moi, je vous propose qu'on élimine cette frontière qu'il y a entre... abonnés et youtubeurs, donc ne crachez pas là-dessus. Moi je vous propose ça, voilà, ceux qui veulent pas l'envoyer, n'envoyez pas, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que vous avez pas envie d'envoyer. Moi je force personne. Maintenant ce qui est drôle, c'est que je vais faire ce petit défi. C'est pas juste envoyez-moi, on va voir si ce défi va aboutir. C'est-à-dire que il faut savoir que l'année passée, quand j'avais fait ça, j'avais 20 000 et 30 000 abonnés. La Poste avait posé des questions à ma mère en disant « Mais pourquoi vous avez autant de choses qui arrivent chez nous ?» Parce que j'ai reçu 80 colis à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas le refaire avec 87 000 abonnés. Et là, je pense qu'on peut mettre en PLS la poste complète. Et carrément, peut-être créer un mini scandale du village, tu sais. Et j'aimerais vraiment que ça aboutisse à quelque chose. Maintenant, bien sûr, vous envoyez qu'un seul colis chacun, il n'y a pas de souci. Mais essayez de jouer le jeu, pour ceux qui veulent. Et voilà, moi c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, au niveau des délais, c'est clair que moi je pars pendant les vacances de Noël. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que vous les envoyez avant le 19. C'est-à-dire que le dernier délai pour envoyer vos colis depuis la France, la Belgique, ça serait le 14-15 décembre. Vous pouvez les lire, histoire que ça arrive jusqu'à chez moi. L'adresse qui est dans la description, mon adresse donc, va être mise jusqu'au justement 14-15 décembre. Et après, je vais l'enlever. Pour être sûr que bah, sur les futurs, il n'y a personne qui va me renvoyer des trucs. C'est histoire que vous l'envoyez sur le moment et après voilà. L'année passée, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Je vous fais confiance, vous êtes mes abonnés, voilà. Là, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous dire, putain, il nous fait confiance quand même. Je vous fais confiance, il n'y a pas eu de souci l'année passée. L'année passée, il y a même quelqu'un qui est venu chez moi. Je n'étais pas là par contre. Qui est venu chez moi, un petit garçon avec, enfin une famille, avec un petit garçon et sa petite sœur. Je n'étais pas là malheureusement. Donc là, je le répète, je ne serai pas là pendant les vacances de Noël. Donc ne venez pas chez moi si vous voulez me voir. Ça sert à rien. Voilà, je vous le dis, si jamais il y a des familles qui veulent faire la surprise à leur enfant, parce que ça s'est passé l'année passée, donc pourquoi pas cette année. Donc je vous dis, au moins cette fois-ci je le dis, je serai pas là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, envoyez quelque chose, n'importe quoi, moi ça me fera plaisir de toute manière. Vous savez comme je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Moi ce qui me suffit c'est de voir que vous êtes là derrière, que vous me suivez, etc. Et avec les conventions, je peux voir votre sourire, le fait que vous soyez content de ce que je fais, de me voir, etc. Et là, je vous propose qu'on puisse avoir ce lien que des fois, certains youtubeurs suppriment assez rapidement. Moi, je vous le propose encore une fois, en tout cas, ce serait peut-être la dernière fois que je vous le propose, parce qu'à 87 000 abonnés, c'est quand même beaucoup, je risque de mettre vraiment trop en PLS la poste. Et je pense que suite à ça, je serai obligé de créer une case postale, un truc à part. Et du coup, là, je me dis que ça serait vraiment pas mal, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas, donc voilà, dans la description, il y a mon adresse. Je vous laisse, donc envoyez ce que vous voulez, si vous voulez. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. J'oblige personne, il faut savoir que, voilà, moi, je peux m'offrir, comme vous le pensez bien, ce que j'ai envie, si je veux. C'est pas ça le but c'est juste qu'on puisse supprimer cette frontière qu'il y a entre abonnés et youtubeur, et je vous le permets parce que l'année passée il n'y a pas eu de soucis, comme je l'ai promis l'année passée, ça peut se refaire. Et donc voilà, s'il y a quelque chose qui arrive de mal, malheureusement, je vous ferai plus confiance et donc je vous ferai plus des trucs comme ça. Mais bon, allez, moi je vous fais confiance, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on va mettre en PLS la poste? Je sais pas, on verra. Ciao, bye bye, c'était Pyrux, Jana.